réveille-nous, shalom, aleichem. Shalom, synagogue office. Oui, bonjour, madame, ça va bien? Oui. Je veux juste savoir, est-ce que ça vous dérange si j'installe mon kiosque de vente d'arbres de Noël en face de la synagogue? Non. C'est un problème. Parce que moi, mon patron m'a dit de m'installer là, puis là, j'ai vu ça, puis je veux pas causer de problème. Moi, je sais que je veux pas qu'il y ait de problème, là. Non. Je vais vous le passer, OK? Juste un moment, OK? OK. C'est en ce moment que nous appelons une église catholique pour leur annoncer une toute autre nouvelle avant de mettre les deux en communication. Paroisse Sacré-Cœur, bonjour. Oui, moi, je suis à Assidique. Oui. En avant, vous avez des décorations de Noël? Oui. Faudrait les enlever. Les enlever? Oui. Pourquoi? Parce que je suis acidique et ça me fâche. Ça vous fâche? Oui. Ah, OK, je veux juste vous passer mon ami, OK? On va vous parler, OK? Oui. Bougez pas. Oui. Yes, c'est à quel sujet? OK, je comprends un peu français, OK. Excusez-moi, c'est parce que nous, on a beaucoup de respect envers les autres religions. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de respecter notre religion. Non, parce que c'est une synagogue juive. Je suis désolée, il n'y a pas de loi contre ça. C'est une synagogue juive. Vous êtes juive? Un instant. Ici quelqu'un. Je vais vous transférer à une autre personne plus haut que moi. Ce sera pas bien long. Alors, est-ce que je peux vous aider? Oui, bonjour. Oui. Oui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je pense que c'est pas possible. Ben, pour quelle raison qu'on les enlèverait? C'est pas vrai, hein? Pourquoi? Il n'y a pas une place pour faire ça. Oui, mais si vous trouvez que ça c'est pas une bonne idée, vous pouvez venir rencontrer les prêtres. Ils vont se faire un plaisir de parler avec vous. Ça, c'est la rue. Quoi? C'est le droit de demande à la ville pour la rue. Non. Je pense que ça, c'est... Hey, des personnes ici, non. Jamais acheté des arbres de Noël. Ils vont rester où elles sont. Je verrai pas pourquoi. Moi, je vais pas chez vous si vous enlevez vos décorations. Mais ils te vendent ça où? Sur la rue? Non. Sur le trottoir? Non, vous avez pas de droit, ni à nulle part. Vous avez pas le droit de leur toucher. C'est pas votre propriété ici, là. Puis en plus, le presbytère, c'est pas l'église, là. Je pense que c'est mieux à côté, en face de l'église. Je comprends que vous, dans votre religion, c'est d'autres choses, mais nous autres, c'est d'autres choses. Donc, on se respecte mutuellement, là. Je pense que c'est mieux de faire ça à côté, en face de l'église. On se respecte mutuellement dans nos affaires. Moi, j'irai pas dans votre synagogue à enlever vos affaires. Pourquoi? Ça aura beau être sur le trottoir, c'est ça que je vous dis, si vous voulez venir discuter... Hein? Vous pouvez venir au presbytère, ça va nous faire plaisir. C'est qui le patron? Ça, c'est Monseigneur Godin même qui pourrait vous parler, là. Ça, c'est le nom de votre compagnie? Beau. Et pourquoi voulez-vous faire ça en face de notre synagogue? Je suis catholique, moi. Je ne vais pas dans la synagogue, là. Dites ça encore. Je ne vais pas au synagogue, moi. Pourquoi j'irais à la synagogue? Je pense que ça, c'est pas une bonne place pour vous. Non. Vous ne touchez pas à ça. Ça, je vous le défends. C'est pas une bonne place pour des arbres. Non. On n'enlèvera pas les décorations. Vous allez venir ici au presbytère, puis on va s'expliquer. C'est ça qu'on va faire. C'est pas une bonne place pour vous. Les arbres qui sont là sont permanents, c'est des cèdres. Tu vends pas des choses ici. Ben non, on vend absolument rien, des autres là. I mean, tu peux faire sur le trottoir, mais je pense que tu vends pas des choses ici. Ben pourquoi je ferais ça ailleurs? Non, je pense que ça, c'est pas une bonne place pour vous. Mais là, je comprends pas, là. C'est mieux de faire ça en face d'une église. Ben, regarde-donc, toi. À quel honneur que vous avez raison, puis nous, on n'a pas raison. C'est mieux de faire ça en face d'une église. Ah, ben là, hey. Ça, c'est à l'autre côté de le parc. Non, vous n'enlevez pas les décorations. Le quoi? Je veux qu'on s'explique. Pas enlever les décorations, là. OK, je suis occupée maintenant. Merci beaucoup. OK. Salut. Les justiciers masqués au 102, c'est quoi?